c'est sur l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président. Et il est plutôt politique qu'économique cette fois-ci. C'est un échange à très haut niveau politique qui va traiter plutôt des questions qui touchent toute la région, mais également il y aura un échange concernant le potentiel et les relations économiques. Et là, on aimerait bien que ça va donner ça va faire un bon écho en Allemagne pour encourager les entreprises de venir encore plus ici et bien sûr également de faciliter les investissements étrangers ici en Algérie. On a constaté cette année un petit recul à cause des restrictions d'importation, mais en général nous sommes contents. Il y a surtout une demande assez importante pour tout ce qui est machines et équipements. Et comme ça, l'Allemagne est prête pour soutenir l'Algérie dans cette démarche de la diversification de son économie locale et d'augmenter la production locale. En 2017, on avait 3,1 milliards d'euros d'exportation de l'Allemagne vers l'Algérie. Un montant assez important, c'est le même montant à peu près en 2016. Donc, c'est assez stable, on peut dire. Bon, cette année, comme je dis, ça va être un peu moins, mais quand même, on est en bonne voie. Il y a des investissements qui sont planifiés, qui sont en cours, comme par exemple les pharmaceutiques, où il y a des projets dans l'agroalimentaire, il y en a, et même d'autres partenariats. Donc, en général, c'est en bonne voie, mais on pourrait avoir plus. Donc là, il faut travailler de côté d'attirer encore plus d'investisseurs.